Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Contact Pro Live. Très heureux encore une fois de plus de me retrouver devant vous pour un nouveau numéro où nous allons encore parler de la République démocratique du Congo. À la veille de l'adresse du président de la République, donc devant le Congrès, donc le Parlement et le Sénat réunis en Congrès demain le 13, nous avons jugé bon de venir encore une fois de plus pour réfléchir sur les matières que nous pensons qui sont absolument importantes et que nous pensons que le président de la République ne pourra pas ignorer. C'est pour cela que nous nous disons, nous venons pourquoi aujourd'hui, c'est parce que l'idée que nous avons de notre pays, nonobstant tout ce qui se passe, l'état de siège, la libération des Camerés, les cacophonies qui se passent au Parlement et tous les désordres qui règnent, nous basons sur la reconstruction de notre pays. Où est-ce que les forces que nous avons doivent être dirigées et orientées plutôt pour enfin que le pays qu'on puisse remettre le pays sur le rail de développement. Quelle est la chose la plus importante au-dessus de toute l'actualité? Qu'est-ce que nous recherchons? N'est-ce pas que l'unité nationale qui est là, d'abord le socle, le soubassement, où doivent s'asseoir le pays et où doit s'asseoir l'évolution et le développement du pays? Qu'est-ce que nous recherchons? C'est ça la question. Est-ce que le président va encore taper à côté? Ça, c'est encore une opportunité qui lui est offerte, qu'il se donne encore une fois de plus de remettre les choses sur le bon côté, donc pour que les gens puissent se remettre. N'oublions pas que le président de la République est à sa troisième année. Donc, il ne lui reste que 2 ans dans ce mandat qu'on lui a donné pour que nous puissions pas aller aux élections. Quelles sont les choses que nous pensons que le président devrait parler demain? C'est pour cela, ceux qui sont en train de me suivre live sur Instagram ou sur Facebook vont prendre ça, mais ceux qui me suivront demain en rediffusé, je crois que ça sera très tôt matin pour que vous puissiez avoir une idée de ce que nous pensons, de ce que le président va parler demain. Alors, avant d'aller un peu plus loin, comme d'habitude, nous allons prendre les grands titres à la une des journaux qui paraît ce matin sur Internet et puis nous revenons tout de suite après pour le développement d'un autre sujet. Voici les grands titres à la une des journaux qui paraissent ce matin sur Internet. Nous commençons par election-net.com. Environnement, la société Banza Wood dévoile des millions leur volé par le Dirkaba et Dirkaba de la VPM F. Bazaïba. Et puis, Ituri, encore des morts dans un double attaque sanglant à Mambasa. Et puis, le Katanga et le monde, équation à plusieurs inconnus. Tribune de Kikaya Bin Karoubi. On va sur actualité.cd. Procès Tchebeya. Si John Kanumbi est à l'extérieur, le pays, la justice internationale fera son travail. Port en eau profonde de Banana, le travaux démarrent au premier semestre, au trimestre 2022. On va sur Congo profond, travaux préparatoires des états généraux de la communication, les documents de base de travail transmis aux membres scientifiques. Et puis, premier bilan officiel, FARDC IPDF contre ADF, 31 otages congolais libérés, 34 terroristes capturés et 4 bivouacs ennemis détruits, 7 sur 7. Procès Tchebeya, le parti civil sollicite la descente à l'inspection générale de police. Et puis, Maïndombe, une dizaine de morts dans un naufrage sur le fleuve Congo.
termine par Radio Okapi, Olive Moudekereza, le gouvernement congolais devrait se pencher urgemment sur les investissements lourds. Et puis Tanganyika, des véhicules bloqués à Kiolo par manque de route. Merci, on se retrouve demain dans un nouveau numéro. Au revoir. Voilà, chers amis, donc l'actualité est prédominée justement par cette attente du congrès de demain. Qu'est-ce qui arrivera? Y aura-t-il encore des scandales? Ça, ce n'est que demain que nous pensons que ça va. Est-ce que ces scandales-là, si ça peut être, ça sera dans le bon côté ou bien ça favorisera l'unité nationale ou ça favorisera d'essayer un peu de recadrer ou bien de est-ce que qu'on permettre ba congolais tension équita sa tension autozana nango na lelo na mboka na éviter. Je ne suis pas un prophète de malheur ou quoi que ce soit qui arrivera au congrès, parce que tout peut arriver et okinyo se kokobima. Nous avons déjà des soupçons, il y a des politiciens qui n'a l'objet l'autre comme au côté. Attendons demain, peut-être que ça peut arriver, peut-être non. Mais le président va s'adresser. Alors, Bandeko, et l'autre qu'on y n'a pas à moutou, y'a n'a pas à nabiso l'élo. Léo, mon Congo, qu'est-ce qui se passe? Bon, d'abord, avant d'aller là-bas, je vais essayer un peu de mettre un point sur les gens qui m'ont suivi sur Twitter aujourd'hui. Ils m'ont vu habillé avec un t-shirt dont il y a eu mention UCD. Je vais vous rappeler, parce que beaucoup de gens m'ont posé la question, UCD c'est quoi? C'est un groupe de réflexion auquel je participe aussi. Nous réfléchissons sur beaucoup de choses sur notre pays. Nous réfléchissons sur la manière de diriger et tout ça. Ce groupe a été créé il y a maintenant 2 ans par un confrère, un ami, un frère, qui s'appelle Péro Negbel, qui aussi réside ici en Afrique du Sud. Et ce groupe-là est un groupe qui parle sur toutes les solutions qui peuvent être appliquées en République démocratique du Congo. C'est ça justement la réponse à la question, à tous ceux qui m'ont vu sur Twitter, qui m'ont posé la question de savoir UCD c'est quoi. C'est un groupe de réflexion tout simplement, ici en Afrique du Sud. Ça réunit beaucoup de gens. Il y a déjà même dans toutes les villes, à Lubumbashi, même à Kinshasa, il y a des membres adhérents et il y a un groupe sur WhatsApp où vous pouvez... si vous voulez, y adhérer, je crois qu'il y a encore une place. Hein. Nous ne sommes pas encore à 254, je crois. Mais nous sommes déjà aux alentours, au plus d'une centaine. Nous réfléchissons sur la République démocratique du Congo. Alors, c'est ça donc la réponse à tous ceux qui m'ont posé comme question sur UCD. Bandeko, lobby Ezam Kolomoko, président de la République, a s'adressé encore à peuple congolais. Ça, c'est un congrès, c'est vraiment le congrès, mais je ne sais pas. Il est fait, en principe, cette histoire ici devrait se faire vers le 25, parce que au mois de décembre, en principe, il y a l'état des lieux, il y a 3 discours que le président doit prononcer. Il y a l'état des lieux de la République, le discours de l'état des lieux, je crois que ça sera demain, devant le congrès. Il y a aussi un message de fin de l'année, Noël, et puis... Donc, il y a à peu près 3 discours, en principe, qui sont prévus au mois de décembre, auxquels le président doit s'adresser. Bah, problème, ni n'ango tozanango lelo na la République démocratique du Congo. Bandeko, la première des choses, je vais les citer, puis moi, comme d'habitude, je passe souvent à vous donner mon point de vue sur la reconstruction et qu'est-ce que nous devons faire, les solutions. Donc, tozana problème, moko oyo, il y a méfiance d'abord. Confiance, c'est ça, l'issoussouté. Le peuple congolais n'a plus confiance au président de la République, Étienne Tshisekedi, disons Félix. Le droit, disons, l'état de droit est à la balotée pour l'instant. Confiance, est-ce que l'état de droit est allé ou bien zaté?
Eza bundisami nanini par la libération de Kamere et tous les membres et tous les hommes, les politiciens, les gros poissons qui ont été inquiétés et libérés comme ça. En moins de 10 années, on a vu de va-et-vient à la prison centrale de Makala. On menace les gens, on dit ceci, ils ont volé, et puis on a proclamé les symboles de cet état de droit était VK Vital Kamerhe qui était en prison. Et tout le monde disait que voilà, finalement, Tshisekedi aza serie na makamuna ya état de droit, donc on pouvait inquiéter. Alors, oyo, na modèle oyo Vital Abimeli, et ça li tole na kati ya mboka, donc batunyo sobozo yo ka mamakwa munga na koki ko zonge lango susute ba juriste, ba justifié, le peuple, quelle est la leçon que, leçon oyo, libération na finalement, les gens ont vu, ba eteni longondo, ba toube bele, ba kenda ki ba bima ki na prison, mbongo eza ko zonga te. Mbongo ya moibi eza kozonga te. Les efforts de l'IGF, batu babanda kobanga, ke non batu kontrole ezalaka, ezalaki nango, et puis esali pe musala nango, batu esali nan, mais balobi ke non mbongo, et ye mwa ebele. Mais nous restons avec le même problème, batu bafutamite, ba programme oyo, il fallait salema. Et que nena mbongo o batu bazoko lo baki mbongo ke sa lete koti ba programme mbongo wana ezo sala ezo mo koti population azo mona différence te. C'est ça justement. La guerre à l'est n'a pas terminé, l'insécurité continue toujours. Makambwa est et comme il sous compliqué parce que état de siège échoué. Nous ne pouvons pas ni dire autrement, état de siège échoué, et puis on a fait appel au Kenya, on a fait appel maintenant aux Ougandais qui nous ont envahis, qui sont là-bas. Mais ti lelo oyo bandeko, nazako ebisabino, lobi lisusu ba tuerie zako continue kaka. ADF azali, bon, ce qu'on appelle ADF bazali, moi comme je vous ai dit, ADF azalakate, ba tuane za ba groupes armés oyo za entretenu par le FARDC. ADF, na côté ici, c'est la même chose. Donc, nous ne comprenons pas finalement et l'autre côté kuna eza ko politique eza nini. Qu'est-ce qui se passe? Et je vais vous dire une chose. Lorsque vous lisez la tribune que Kikaya Bin Karubi a celle qui na election-net.com, et puis il y a des réponses pour les gens qui sont avertis. Il y a des réponses que monsieur a pési, mais so, il faut zala, o comprendre quels sont le azolo belanini alobi makambo katanga alobi tout ça bandeko ezaba biloko eza ko précéder ba réponse à mokonzi et tout le monde met un accent particulier à kolobanini à kolo. Nous sommes fatigués bandeko na makambo o Félix alobaka, on a toujours parlé mais les actions sont demeure et le côté ba action o ezalaka eza et le côté et salama le pays ne fait que s'enfoncer mboka na biso ezo kende kaka tout kaka na libulu kaka na libulu kaka na libulu tozo kuka kobimate. C'est ça le grand problème ya makasi yango wana akoloba et puis qu'est-ce qu'il va dire. Ata lobi que non o el kosale moyo kosale ma les promesses n'ont jamais été tenues. Tous les projets qu'il a entrepris babilo konyoso ezako savere que ezako kende na échec. Wana nyoso eza nini? Est-ce que za faute ya gouvernement? Est-ce que bato baza pembeni na ende mtu baza koeba kosala te? Est-ce que bato aza na bango? Est-ce que toutes ces questions là demeurent posé exactement la réponse était ma réponse exacte notre président donc magistrature oyo y a alternance oyo ya premier magistrature donc législature après na y a alternance et même les biso et loko mon côté rien n'a changé au Congo, on ne peut pas se voiler la face, les choses ne font que s'empirer. Bien sûr il y a des choses ça et là qu'on peut dire que no ba meka ki ko sala mais
biloko nyonso etikali ndenge wana, pourquoi esalemi ndenge wana bandeko? Je vais vous dire le pourquoi maintenant oyo na parti oyo poto yo kana bien, parce que eloko nyonso ezalaka soki to réfléchir malamu, soki to giyebi place koko so ezali tokoki koluka ba solution. Mais la pour le problème ya liboso ezali, est-ce que législature oyo alternance et réfléchissaki sur les solutions appropriées na mboka na biso? Est-ce que solution ya mboka na biso ezali banda? Est-ce que ba problème oto za nango? Est-ce que ba solution nango eza libanda ou bien ba solution nango eza na kati na biso? Je vais illustrer ça par le simple oh biso nyonso to vivra ka awa, il y a pas longtemps. Le consensus pour une personne qui va diriger la CENI ezwa mate. Bandeko, est-ce que vraiment nous pouvons dire qu'il y a eu changement na kati ya mboka na biso? Banda Félix aya kota depuis 2019, est-ce qu'il y a eu changement? Nous avons constaté que l'impunité est là. To ezane timboa ko pale ganga kina ko sala bwena ko sala bwena ko swa bino na ko swa bino, mais finalement a swa kite. Nous arrivons en fin 2022 au tozo kota na 2023. C'est comme si nous sommes rentrés à la case du départ, Bandeko. Et puis nous nous posons la question, pourquoi est-ce que le projet Oto Bandaka et Soukaka Nanzela? Le grand projet comme Bukangalonzo, nous le peuple congolais, to décida ki to kangayango. C'est nous le peuple congolais, magistrature Zawana et décida ki keno ko continuer na Bukangalonzo te. Faisa fi keno ezo résoudre loko mokote. Ils ont résoudre le problème en Zalate, Kuna Bukangalonzo, ce n'était plus une solution, c'est pour cela ils ont arrêté ça. Deuxième exemple, tous les projets à 100 jours, construction et maison préfabriquée ou Anabandeko. Les maisons préfabriquées n'ont finalement servi à rien. Est-ce qu'on peut dire que Kamera Iba Kambongo Wana Nyonso? Réfléchissons un peu, tout mekana nous réfléchir. Ata ibimbongo. Est-ce que c'est pour autant que bokotika bambanda kwa na bolobaki ke banda kweza na eza soki na bapor bambanda kwe somba ma somba? Pourquoi ne pas arriver jusqu'à terminer ce projet là? Bon, tout à la ba projet à ba saute mouton. Ba saute mouton balobaki koza la soki 8, soki 9, soki combien kuna na Kinshasa, bino moko boyebi combien o esilaki, esili na modele nini? Est-ce que nous les Congolais allons tous en la possibilité? Est-ce que tous en la capacité on a à cobander l'on peut aussi les sanguins comme bien? Bah chinois bah tonge la cabisse au palais du peuple du début jusqu'à la fin. Bah chinois bah tonge les bisso stade Kamanyola du début jusqu'à la fin bah pèse bisso. Que nous les Congolais nous ne sommes pas en mesure de le faire. Problème Zali Wapi. C'est ça justement le grand problème que nous devons nous poser. Quelle est la solution pour que nous puissions finalement adopter ba changement et kota na mboka? Bandeko,
boyebi position nangai. Et je ne cesse de parler de ça tous les jours. Et je crois que je suis très convaincu que la solution reste là. Il y a eu beaucoup de gens battu ebele na Kinshasa na régime oyo. Ba master belé baza pembeni pembeni ya bakonzi. Ba benga kanga sur le Kamboyo ya 145 territoires oyo na bande koloba to banda kosala kobongisa mboka à partir ya base. Et c'est ça la solution, mais ce qui toyebi ko sala ngo kaka boy na mona ki ba ke ko inaugurer ce que loko moko bo ce qui puis na côté à kwango kuna premier ministre ke kuna. Ce n'est pas comme ça que ça doit se faire bandeko. Est-ce que c'est un problème de texte que notre pays a? Et moi je crois que le président de la République na discours na ye, il faut qu'il a akende na ba fondamental. Bandeko système otoza na kati lelo ezako permettre te ke ba texte na biso ezala appliquer. Le professeur Mbata s'est vanté de cette constitution, oh constitution na biso eza malamu tout ça tout. Mais nous n'arrivons toujours pas à faire appliquer cette constitution. Ezala sur le plan des droits, ezala sur le plan économique, ezala sur ba texte ezali wana meza applicable te. Nini yango foto sala, nini to salite makambo ebele pour que constitution oyo ezala applicable. Makambo ebele to deraya. Remettons le pays sur le rail pour que la constitution puisse être applicable. Nous devons refonder l'État. C'est ça la solution. Problème sous Zalite Bandeko. Remettre le pays sur le rail, c'est ce qui nous reste à faire. Tozan a besoin de mbongote, tozan a besoin yaba payate. Nous avons besoin de nous, Congolais, de nous mettre d'accord. Quels sont les mécanismes que nous devons mettre en place pour que les Congolais azala ensemble, asalam sala ensemble pour son pays. Le paradigme o ezali lelo eza paradigme ya ba individualité ya batu. Le Congolais veut réussir seul. Le Congolais n'a pas cet esprit nationaliste. Ba nationaliste baza mouke. Et tous ceux qui veulent entrer en politique, ba tout mieux surtout baza ko linga ba sala politique, o ba lingi ba salela, ba ya ko bongisa, o ba ko sala boye, ba ko sala ba président, ils n'ont pas cette idée là ya ko bongisa mboka. Ba lingi ba sala kaka na même système oyo. Ce pays doit être refait. Nous devons refondre ce pays bandeko. Bon, excusez-moi, nous devons aller au fondamental. C'est comme ça que nous disons. Ce qui Félix Tshisekedi peut rentrer na koloba, toti kana nous ba makambo élection wana. Moi, je suis pour que abomole le parlement, abomole le sénat, en les renvoyant en congé. Refondons cet état qui ne nous avance à rien. Nous avons besoin à ce que la base puisse s'approprier. Il faut que le pouvoir rentre au peuple. Bandeko, et que ça la part piloté na Kinshasa te, le pays doit être piloté à partir de la base. Mais toko makuna ndenge nini, c'est ça la solution que je vous dis, que moi j'apporte toujours et je suis en train de promouvoir. La solution, c'est que le peuple doit s'approprier du pouvoir. Nous devons réécrire. Prenons la décision de réécrire l'histoire de notre pays. Prenons cette conscience à Koloba. Le moment est arrivé. À ce que le fils de ce pays puissent se mettre d'accord à rédiger une nouvelle constitution afin que cette constitution-là nous amène dans la 4e République. Et ça se fera comment? Ça se fera avec les outils que nous disposons, mais avec la volonté de notre président Félix Tshisekedi. Félix, tikaba makambo voyage, wana tikaba babiloko wana, si l'année 2022 pourra être une année où nous allons réécrire l'histoire de notre pays,
renvoyer tout le monde dans leur territoire en disant « Allez réfléchir sur une nouvelle constitution, sur un nouveau Congo. » Batouana nyonso batouana, que toutes les tribus puissent se mobiliser. Bandeko, ça ne sera pas du tribalisme. Tribalisme, c'est un favoritisme à batribu na bino na katia ba institution. C'est ça le tribalisme. Topé sango konotation moussousouté. Mais les tribus existent. Quels sont les piliers qui fondent notre pays? Bandeko, mboka na biso est fondé sur quoi? C'est l'ensemble justement de ces tribus-là. Réorganisons ces tribus-là. Redonnons le pouvoir à ces tribus-là de gérer leur bamabele na bango. Enfin que gestion ya ba chaque tribu na place au batubazali. Batia yango ensemble pour que batunyo sotubazala bien. Muyomba anakuaka. Si tu na bakusu tuko bayomba, mbarega banakuyaka kubunande. Le jour où nous allons nous mettre d'accord en nous disant que chaque peuple, là où il est, doit contrôler et doit être à avoir le pouvoir du regard sur l'économie, sur tout ce qui se passe sur sa terre, là le pays va se développer. Là le pays va commencer le développement. Parce que tout le monde sera conscient que Mabele Oeza Yanga mon côté. Mabele Oyo, je suis obligé de protéger mes terres. Je suis obligé de protéger les confrères qui sont avec moi. Je suis obligé de travailler avec ces confrères, avec tous ceux qui sont là. Et ça ne sera pas le tribalisme. Le jour où nous reconnaîtrons que chaque Congolais est différent et il fait partir du Congo, et c'est un Congolais, et il est Moulouba, celui-là il est Moukoussou, celui-là il est Moussakata, celui-là il est Moussingombe. Mais c'est un Congolais. Le jour-là, nous aurons conscience à nous dire que Mounande, iko ndugia ke na Moulouba. Ah, na kwa kule njo kwa bo, kule kubunande kuna kwa kaivi. Là, le Mounande, c'est là où nous devons commencer à valoriser le peuple congolais dans leur base. Et en leur donnant toute cette possibilité. Bande koto lukate to kopie démocratie à l'européenne. Ça n'a pas marché. Cherchons quelque chose qui ressemblera justement au Congolais, qui n'a jamais été fait ailleurs. La sécurité de Banande doit être assurée par le Banande. Et si nous pensons que la sécurité de Banande sera assurée par un Kidam qui est à Kinshasa, voilà ce qui nous arrive. Voilà les Codeco qui réclament depuis toujours. Nous avons dit la solution est globale. Bandeko, le problème est le Congo. La solution est globale. Les solutions ne peuvent pas être particulières. Oh non, état de siège côté. Ce qui se passe au sud, qui vous c'est ça la même chose. Batwaza ko réclamer le droit na bango. Donc, pour être un peu bref, on a ce qui s'en a à la moulaïté. J'espère que le président de la République va aller au fond du problème. Tout royo, ça lui est donné encore une fois de plus. Moi, personnellement, j'appelle à ce qu'il puisse supprimer le Sénat et la forme actuelle et Mboka et Zalabani. Bama kamboa ba élection na nototika yango. Réorganisons. Ce qui se ni wane ko zalandenge nini. Recréons d'abord les états de lieu. Tobengana nou ba état de lieu yaba territoire. Que chaque territoire puisse s'exprimer d'abord. Batouba vanda, batouba bakende kuna ba solola. So ki banani ba seni na bango ba organiser ngondenge nini kuna na ba territoire. Il faut que ce soit les gens là. Batou ya côté kuna ba se réorganiser ba pesa pour que nous puissions finalement avoir une classe politique nouvelle à l'image de la base de notre pays. Batuna base ba banda koyeba oyaza congolais oyaza congolete toko pesa nationalité na mutu o te toko ndima mutu na place na biso te et que tangu batwana basiba ndimi batuna bango na kati ya ba territoire na bango nani ango koboya mutu o bandima ki na Kivu est-ce que na batu ya ba Congo ba koboya e bandeko je vais développer cette histoire là ya koloba ke non. Reconnaître les tribus, ce n'est pas du tribalisme, Bandeko. Lorsque le peuple sera en mesure d'être
d'être le maître dans sa propre territoire, là nous aurons à embrasser le développement de chaque territoire. Et que batuna batu bazab à mesure, il y a qu'au contrôler gestion na bango, ba yebini nango ba pesa kana république. Et ils pourront être en mesure de réclamer à la République leur dû, leur droit. Et tout ça doit être défini dans les états de lieu que moi je propose que le président de la République puisse appeler. Président, benga ba état de lieu à ma territoire. Ça ne sert à rien de continuer avec un unitarisme qui ne nous avance à rien. Voilà là où je vais m'arrêter aujourd'hui, espérant que vous avez compris quelque chose et espérant que vous allez partager cette émission Bandeko. Ba message on appelle ça que ça a un moins sens. Partagez en go. Ba obalanda kangai moko abonnez-vous pour nous encourager. La semaine passée vraiment je suis déçu, je n'ai pas vu beaucoup de gens s'abonner. Il y a eu quelques gens qui se sont abonnés mais nazolinga bo s'abonner. Abonnez-vous nombreux sur cette chaîne. Comme ça, message Oyo est comme elle. Parce que déjà, bato bazaki na Kinshasa, bazaki kozala bazaki kozala na pression à Koloba. Non, il faut investir dans les 145 territoires. Bakomi kobenga nga balobi, toko investir kuna ndengeni. Nga na lobi, il faut d'abord qu'il y ait des états de lieu yaba territoire pour que bato bazala kan, ba se comprendre afin d'y investir. Mbongo muke Oyo koki kokende, soke keina. Et tonga moko oyo bango ba yebi ke toko tonga awa biso moko mtu toko benga compagnie bo esale la biso bo toko contrôler yango bo ça peut se faire et au niveau de la base ils vont s'entendre ba bi projet o biso toko ça les a pendant combien de temps et vous allez voir combien mbongo obo pesi na ba territoire eko sala musala. Voilà. Merci beaucoup et encore une fois de plus, bon début de semaine. Bato bazola nanga lundi, bato bazola nanga dimanche en tout cas, de bon dimanche. Et on se revoit très prochainement dans un nouveau numéro. Portez-vous bien, au revoir.